précédemment. Nous avons gagné contre Gargenville et avons aussi gagné contre Issou 8 buts à 1, ce qui nous mettait dans une série de 3 victoires sans défaite. C'est très encourageant pour la suite. On est là aujourd'hui à la butte verte avec un manteau des années 90 pour ce 7ème match face à la Vauxoise. Franchement, ça va être difficile de dire un petit peu quelque chose sur cette équipe parce que c'est leur premier match de la saison. Ils ont eu beaucoup de matchs reportés, etc. Donc c'est un peu spécial. En tout cas, ils ont l'air d'être plutôt jeunes. Bon, voilà. Parce qu'on parle pas beaucoup de l'adversaire, on se concentre surtout sur nous. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que je parlais tout à l'heure avec l'entraîneur et quelque chose dont je me doutais a été validé, c'est qu'en fait, ils regardent nos vidéos pour analyser nos matchs. Donc ils ont vu par exemple, ah, ton numéro 10, il est bon. C'est Raïm. Donc Raïm qui tape dans l'œil de l'adversaire. Donc reste dans l'équipe s'il te plaît, hein, si tu te fais rapprocher, tu pars pas. Bon, en tout cas c'est intéressant parce que eux du coup peuvent voir en amont pour les matchs aller, surtout parce que match retour ils auront déjà vu comment on joue. Salut à tous. Aujourd'hui match contre Vauxoise, Vaux-sur-Seine. C'est leur premier match à ce qui paraît. Nous faut qu'on reste dans notre régularité de victoire. On va tout faire pour. Beaucoup de sérieux. Et en plus on est filmé par la nouvelle caméra VEO. Attention. Nouvelle façon de regarder un match de Div 6, vous allez kiffer les gars. Salut, c'est tout pour moi. Alors Lucas, premier match en tant que joueur là? Ouais, joueur pour l'instant remplaçant. Mais bon, c'est normal, j'ai pas fait une prépa physique super quand même. Mais bon, tu vois, il m'a fait jouer sur le terrain vendredi, 10 minutes, je mets un but, une passe D. Je mérite ma place sur le champ, tu vois. Non, en vrai, j'espère jouer un peu quand même et... Pourquoi pas mettre un petit but? Quentin, comment tu te sens? Bien. L'objectif, c'est quoi? C'est de continuer la série. On est sur 4 matchs, 4 victoires d'affilée en comptant le match amical. Donc, on veut chercher la 5ème victoire d'affilée. C'est le but. On va tout donner en tout cas. Un petit mot d'avant-match. Bah, j'ai fait les contours. J'ai plus de cheveux blancs. J'espère que Raïm va me faire des passes. Parce que sinon, il y aura un octogone après. Ouais, mais le problème sur la manette de Raïm, c'est qu'il a pas la croix. Ah. Du coup, il peut pas faire de passe. Non, il peut pas faire de passe. En fait, quand tu fais des passes, c'est que des roulettes. Non, ouais, c'est des frappes ratées. Ouais. Laissez pas. L'équipe, voilà. Lui aussi, ça. De toute façon, on avait une infirmerie assez blindée. Et là, ça commence à se désemplir. Là, franchement, il y a quasiment plus personne à l'infirmerie, je crois. Mardi, j'en fais plus partie. Donc, Titi, t'étais blessé, toi, face à Ménil-le-Roi. Ouais. Match qui nous relançait pour la victoire. Premier match, première victoire de la saison. Ça y est, 5 minutes. Petite contracture. C'est quoi, c'est contracture? Ouais. Tu vois, j'ai vu le ballon en l'air. Toi, je me suis dit, j'y vais. J'étais sur les appuis. J'ai sauté. Il a vu l'action. Pour les autres, mais dégarer, je veux dégarer sur le terrain. 1, 2, 3, comment vous allez les gars?
ensemble, soit on défend ensemble, mais à un moment il va falloir qu'on soit en bloc. Là c'est pas possible comme ça. Les gars, là on sait tous jouer au foot. On sait tous jouer au foot. Pourquoi on se prend la tête à mettre des longs ballons devant? Depuis moi, on a fait que ça. Nos seules actions, c'est une longue balle devant. On est tous des joueurs de foot. On sait tous jouer au foot. Pourquoi on n'est pas là? On joue simple. On écarte sur le côté, on fait tourner. On n'arrive pas à faire trois passes depuis le début du match. C'est pas normal, les gars. Faut se battre pour les autres, les gars. On est un collectif. Et si on commence à penser aux individualités, on va pas s'en sortir. Là, ça va marcher à l'envie, à la détermination. Montrez que vous êtes déterminé et montrez que vous avez envie de représenter bien le maillot et les valeurs. I fit it up. Hop in my car and I giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up. You see the drip, yeah, I'm fitted up. Hop in my car and I giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up. Ooh, I've been on the flex since flex zone. Neighborhood all in your eardrums. I ain't never scared like bone crush. Boy, I got God, don't fear none. My line busy, take no calls. Feels like I don't have no flaws. Snakes in the grass, cut those off. Yo, squad shady, my bros raw. No breaks, we go. Throw shade, that's a no. Go high, go low. Like spinning in a 6-4-4. Cash money like 504. Ball like AD-2-4. No sleep, need more. Ball like AD-2-4. No sleep, need more. Pick it up. You see the drip, yeah, I'm fitted up. Hop in my car and I giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bucks. Pick it up. You see the drip, yeah, I'm fitted up. Le mental, perdre 1-0, on y a 2-1, le mental de l'équipe, voilà. Après avoir été mené 1-0 à la mi-temps, nous avons eu les ressources pour revenir à 1 but partout et même aller chercher la victoire 2-1 grâce au but de Mathias et de Tom contre Vaux-sur-Seine. C'était vraiment un gros match. C'est bien d'avoir de bonnes réactions comme ça, c'est bien, une nouvelle victoire. Ok les gars, juste une chose à vous dire à propos de ce match, on joue les premiers. Et la semaine dernière on a joué 45 minutes. Le match c'est 90 minutes et faut mettre l'impact directement. Franchement les gars, je serais vraiment impitoyable avec vous la semaine prochaine si je vois que on joue une mi-temps sur deux. Ok? Mettez-vous bien ça dans le crâne, c'est on commence dès le début, on donne tout ce qu'on a. Ok les gars, bon je suis un peu le osile de l'équipe en ce moment, c'est que je suis beaucoup blessé. Donc là en fait j'ai eu, après la contracture j'ai eu une nouvelle douleur, l'espèce de tendine, c'est trop bizarre. Ça me saoule un peu mais. À côté, je vais faire des vidéos de foot pour ma chaîne aussi. Même bientôt, je vais sûrement rencontrer des joueurs pros. Faut vraiment que je sois à 100%. Donc, je peux pas me permettre de prendre des risques en aggravant ma blessure. Donc, je peux vraiment pas jouer aujourd'hui. Du coup, match particulier parce que c'est contre les premiers. On est troisième. Voilà, on va donner le maximum. Les gars, on joue les premiers là. Victoire, ce serait cool. Ce serait vraiment cool. Comme ça, on part en vacances tranquillement, l'esprit léger. Non, la semaine prochaine, il y a un match. Ah oui, il y a un match. Il y a Bonnière, c'est vrai. Bravo, coach. On a le même emploi du temps ou pas? On recommence, coupé. Les gars, avant-dernier match avant les vacances, du coup on joue les premiers, on va tout donner, faut qu'on mette le pied, qu'on mette de l'intensité et je pense que ça va bien se passer. Après ils mettent beaucoup de buts, j'espère qu'on sera fort derrière. Bon, on a été fort depuis le début de saison mais... Zéro, ça va? Zéro.
que des ballons longs. Alors je demande de jouer court. Les gars, il y a des espaces sur les côtés. On va pas chercher les espaces sur les côtés. On se marche dessus. Trop de touches de balles. I guess that's why they envy me. On track, now we going way up. Now we use as easy as a layup. Working late, stay up. Counting all the way up. Counting blessings, yeah, you know we pray up. Way up, pray up. On track, now we going way up. Way up. Face à la Cémentais, malheureusement nous avons perdu sur le score de 2 buts à 1. Après avoir été mené 1-0 à la mi-temps, comme contre Vaux-sur-Seine, nous sommes pris au deuxième but directement au retour des vestiaires. Et en plus, les deux buts sont des buts de casquette. Ça fait vraiment du mal au moral. On a quand même réussi à réduire le score encore une fois par Tom avec 2 buts à 1. Mais malheureusement, nous n'avons pas réussi à arracher le match nul. Tant nous avons donné le maximum. Voilà, c'est la fin de l'épisode. J'espère que vous l'avez apprécié. Comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner, à activer les notifications. Tu peux aussi regarder les anciens épisodes si tu veux vraiment revoir l'histoire depuis le début. Allez, commande Vinsky FC. Okay, Vinsky, yeah.